Permettez-moi de vous dire un petit mot avant de commencer la soirée. Je suis ici à titre de professeur de Christos, qui va diriger le concert. Et j'aimerais, avec Christos, exprimer, et je crois que mes collègues sur la scène seraient d'accord avec moi aussi, notre profonde solidarité avec nos collègues musiciens de Grèce qui vivent une situation vraiment épouvantable en ce moment. Les deux orchestres de la radio ont été fermés. Il y a en fait de nombreux orchestres. Il y a beaucoup plus d'orchestres qui ont été fermés en quelques semaines qu'en 20 ans en Europe. Alors, j'aimerais juste vous rappeler que c'est une cause très importante, la solidarité entre les musiciens de notre petit monde, et que ce soir, la musique grecque que vous allez entendre célèbre une culture extraordinaire, millénaire, profonde, et de laquelle nous sommes tout à fait tributaires. Et j'aimerais maintenant vous présenter avec grand plaisir le chef de ce soir, Christos Kolomos. Comme Maestro Rivet a dit, je voudrais dédier ce concert à mes collègues et mes amis de les deux orchestres et le chœur de la radiodiffusion publique grecque que le gouvernement de la Grèce a fermé la dernière juin. Όπως ο Maestro Rivet είπε προλίγου, θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το κονσέρτο στους συναδέλφους μας και φίλους των δύο ορχιστρών και της χοροδίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της Ελλάδας, την οποία το ελληνικό κράτος έκλεισε πριν από λίγους μήνες, το περασμένο Ιούνιο. Nous savons que la politique de la globalisation veut couper d'argent par la culture. Comme cela, le gouvernement coupe par les orchestres. Grèce a fermé les orchestres et le chœur de la radio publique avec toutes les stations à travers la Grèce et tous ses services dans les 6 heures. Aussi, l'orchestre de couleur que Manos Hatzidakis a fondé, les Pays-Bas, ont fermé les deux orchestres et le chœur aussi de la radio. La deuxième opéra de New York a fermé quelques semaines. D'avant, 37 orchestres d'État d'Allemagne ont fermé depuis 1991, etc. Όπως γνωρίζουμε, η πολιτική της παγκοσμιοποίησης επιτάσσει να κόβονται χρήματα από τον πολιτισμό. Έτσι, τα κράτη κόβουν λεφτά και από τις ορχήστρες. Η Ελλάδα έκλεισε τις ορχήστρες και τη χοροδία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης με όλους τους σταθμούς ανά την Ελλάδα και με όλες τις υπηρεσίες της μέσα σε 6 ώρες. Επίσης έκλεισε η ορχήστρα των χρωμάτων την οποία ίδρυσε ο Μάνος Χατζηδάκης. Στην Ολλανδία έκλεισαν και οι δύο ορχήστρες και η χοροδία επίσης της ραδιοφωνίας. Πριν λίγες εβδομάδες έκλεισε η δεύτερη όπερα της Νέας Υόρκης. 37 ακόμη ορχήστρες κρατικές της Γερμανίας έκλεισαν από το 1991 μέχρι σήμερα και ούτω καθεξής. Notre pouvoir est la culture et l'éducation. Η δύναμή μας είναι ο πολιτισμός και η μόρφωση. Donc, je voudrais demander à vous un chaleureux applaudissement pour tous les musiciens qui ont perdu leur emploi et spécifiquement pour les musiciens grecs. Nous les revoyons, notre amour et notre solidarité. De la Grèce en l'honneur de nos collègues grecs et aussi pour notre fête nationale qu'elle est aujourd'hui. Σα ευχαριστώ. Και τώρα ο εθνικό ύμνο τη Ελλάδο προ τιμή των συναδέλφων μα Ελλήνων μουσικών και τη εθνική μα εορτή.